Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord? Je voulais voir un peu les énergies qui sont autour de vous. On va voir un peu ce qui se passe here. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Encore une fois, merci à tous mes abonnés. Continuez de me laisser des commentaires, de cliquer sur j'aime. Cliquez sur je n'aime pas si vous n'aimez pas, c'est pas grave. I love to read cards. And I do it because I love it. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Here. Hi, angels. Please give me a reading for my leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Leos energy. December 14th to the 16th. Leo's energy, December 14th to the 16th, thank you. Ouch. Les lions. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a les anges ici qui voudraient que vous appreniez à laisser tomber votre ego. On a les anges ici qui aimeraient vous apprendre une leçon quand il s'agit de votre côté égocentrique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si vous avez ici affaire à un partenaire, à moins que ce soit vous-même here, mais on a quelqu'un ici qui est vraiment très, très égocentrique, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici connecté à un partenaire qui a cette habitude-là de ne penser qu'à lui. Ok, on a quelqu'un ici qui ne pense toujours qu'à lui et qui ne pense jamais aux autres. On a quelqu'un ici qui ne cherche jamais à aider les autres quand les autres ont besoin de lui. Mais du moment que lui, il va bien et qu'il est sur son cheval et tout, you know, pour lui, la vie est belle. He doesn't care what happened to people. Vous pouvez même ici avoir quelqu'un qui se moque de ceux qui passent souvent par un problème dramatique ou par un karma here. Et aujourd'hui, on est dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui est en train d'apprendre une grosse leçon de vie. Puis c'est un parti dans vous, vous pouvez ici être connecté avec un partenaire qui a beaucoup de problèmes. On a un partenaire ici qui a énormément de problèmes, mais il a trop de fierté pour demander de l'aide. Vous avez ici un partenaire qui a énormément de problèmes, mais qui n'a aucune envie de s'humilier devant les autres. On a quelqu'un ici qui refuse de passer par l'humiliation pour éviter de demander de l'aide, pour éviter de sortir d'un pépin.
aussi avoir affaire à quelqu'un qui essaye toujours d'apprendre ce que c'est que l'humilité. D'accord? Vous avez ici un partenaire qui essaye d'apprendre ce que c'est que l'humilité. Vous avez ici un partenaire qui essaye d'apprendre ce que c'est que mettre les autres d'abord avant de se mettre en avant. Here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de... Ouch. Un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information. This reading, please. Thank you. Mon téléphone est déchargé. Wait. Désolée, mon téléphone est déchargé, donc faut que je branche. Ok. So, voyons voir si je vois un peu plus de détails sur cette lecture here. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui... On a quelqu'un ici qui est vraiment très dur dans la tête. On a quelqu'un ici qui est vraiment très dur de tête. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui est chauve. En fait, c'est pas qu'il est chauve, mais peut-être qu'il s'est rasé le crâne complètement. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici être connecté à quelqu'un qui a l'impression qu'il est mieux que everybody. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui a l'impression qu'il est mieux que tout le monde, ou bien qu'il est mieux que la majorité des gens qui sont autour de lui, qu'il est mieux que ses amis. On a l'ego d'une personne ici qui dépasse sa taille. Donc peut-être que vous êtes même connecté à quelqu'un qui est un peu court, somehow, who knows. Mais vous avez votre partenaire qui est dans de très graves problèmes, mais qui ne veut pas demander de l'aide. On a quelqu'un ici qui ne veut pas demander de l'aide. On a quelqu'un ici qui refuse de demander de l'aide. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a de l'anxiété. On a quelqu'un ici qui a énormément d'anxiété right now. Oui, c'est un parti d'entre vous. Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a même ici quelqu'un qui est menacé de mort. Ou quelqu'un qui a l'impression qu'ils vont le tuer ou bien qu'il va mourir. I don't get this thing. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ici quelqu'un qui est recherché. Vous pouvez être ici dans une situation avec une personne qui est recherchée. Puis c'est un parti dont vous, on a ici votre partenaire qui a été menacé par une autre personne. On a ici votre partenaire qui a été menacé. Donc, vous avez ici votre partenaire qui préfère rester à la maison pour éviter des problèmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre partenaire, mais il est dans... Ouh! Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui a eu à enceinter la femme d'une autre personne ou la copine d'une autre personne, mais j'ai l'impression que c'est la femme de quelqu'un d'autre que votre partenaire a eu à engrosser. Puis c'est un parti dont vous, il est probable que votre partenaire ne savait pas que cette fille était mariée, il ne savait pas qu'elle était mariée. Et comme il n'aime pas poser les questions, il est très égocentrique, il s'est juste lancé là-bas. Et la voilà aussi, elle est partie tomber enceinte. Elle a appris 3 mois plus tard qu'elle est enceinte. Si ce n'est pas qu'elle est mariée, c'est que c'est carrément son père qui menace ici votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui ne dort pas la nuit.
Puis c'est un parti, donc on a quelqu'un ici même qui a commencé à installer des caméras chez lui à la maison. On a quelqu'un ici qui a peur qu'on vienne le piquer avec le couteau. Parce que je vois ici quelqu'un qui sait manier les couteaux. C'est pas les armes, c'est le couteau. Oh my God. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez même aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a besoin d'énormément d'argent. Il est probable qu'on menace votre partenaire de le tuer à moins qu'il donne de l'argent. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a eu à accumuler quand même une certaine somme d'argent. Mais à cause de cet argent-là, il est devenu très égocentrique. Et aujourd'hui, il s'est mis dans une situation où il a fait la rencontre de quelques personnes qu'il regrette à jamais d'avoir rencontrées. Mais vous avez ici votre partenaire qui a peur. J'ai l'impression même qu'on l'a menacé que, écoute, si tu parles, dire à la police ce qui se passe, je te tue for real. Parce que de toutes les façons, tu sais pas à quoi je ressemble, tu connais pas mon visage. Here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés, d'accord? Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, ils sont aussi here. Bisous, bye bye.